C'est dans une ambiance extraordinaire et sous un soleil de plomb que le Tout-Puissant est le seul homme le plus populaire du territoire de Bulungu, honorable Célestin Nassa Eyumu, député national, est entré dans son Jérusalem natal, la ville de Bulungu, et ce, dans le cadre de ses vacances parlementaires. Ici, noyé dans cette foule en liesse, toute la population de Bulungu l'oblige à faire les pieux, car plus il avançait, plus la foule se gonflait. Chemin faisant, au rythme de la fanfare, danse et cri de joie, tout Bulungu témoigne son soutien à l'honorable Nassa Eyumu, leur leader incontournable, le seul et l'unique député de Bulungu qui a conquis tout le territoire de Bulungu pour une victoire écrasante du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023. Au point de chute, le stade du 4 janvier, il fallait être musclé pour y accéder. Ici, dans un Kikongo bien châtié, l'honorable Nassa Eyumu était maintes fois interrompu par des acclamations suite à son message d'unité de toutes les filles et fils de Bulungu. Aujourd'hui, ici, il y a des politiciens qui veulent diviser Bulungu. Nous ne pouvons pas accepter. C'est pourquoi on a insisté pour l'unité. Bulungu doit rester toujours un. Hein? Satisfaction de la population. Notez que, soucieux des problèmes que vivent ses électeurs, l'honorable Nassa Eyumu restera 2 mois durant dans son fief électoral et son agenda n'est pas du tout repos. Il va faire la ronde de tous les 10 secteurs du territoire de Bulungu pour inaugurer plusieurs réalisations et avoir les doléances de toute sa base.